Salut à tous. Cette semaine, je vais faire une petite expérience dans 507 heures dans cet épisode parce que cette chaîne a vocation à montrer un petit peu ce que c'est que l'intermittence et notre quotidien. Et alors du coup, exceptionnellement cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais compter mes heures. Alors qu'on se comprenne bien, c'est pas du tout une vidéo revendicatrice hein, à base de messages sociaux. Nous, les intermittents, on veut être payés comme il faut. Enfin, pas content, pas content. Pas du tout. C'est toujours la même idée. 507 heures, c'était une chaîne où je raconte le quotidien d'un intermittent du spectacle. Et du coup, cette semaine, je vous montre vraiment mon quotidien, heure après heure. Éventuellement, si à la fin, ça peut faire changer d'avis quelques personnes qui résument ça en disant « Bon, bah eux, en fait, en gros, ils travaillent 507 heures et c'est tout ce qu'ils font. » Parce que 507 heures, ça représente 2 ou 3 mois, je crois, de travail. Donc, il y a vite fait de penser, bon, bah, eux, ils travaillent 2 ou 3 mois, et le reste de l'année, ils foutent rien. Bon, bah, voilà, cette vidéo, elle sert à illustrer que non, bien sûr, vous inquiétez pas, on fout pas rien. Alors, ce matin, j'ai, de 9h30 à 12h30 à peu près, écrit des partitions pour le fameux concert de l'affaire Capucine de sortie d'album du 2 février. Et là, il est 13h à peu près, donc je m'y remets. Là, je vais faire des arrangements cet après-midi. C'est un artiste qui est venu me voir et qui fait beaucoup de reggae, qui s'appelle Nesta. Et lui, il voudrait faire un album avec ses chansons, mais on enlève le côté reggae. Donc, il y a tout à réarranger. Là, il m'a envoyé une chanson et il faut que je la réarrange complètement sans le côté reggae. Voilà ce qu'il va falloir que j'arrange. Fin de chantier, j'ai super bien bossé, c'est trop bien. Et si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup moins de luminosité, c'est parce que, regardez bien, il fait nuit. Là, il est 18h à peu près. Mardi matin, il est 9h, alors là je vais me faire une petite heure de guitare. Je suis en mode café avec un petit tutoriel internet sur l'excellente chaîne que je viens de découvrir qui s'appelle Raw Guitar. Des tutoriels vraiment intéressants avec un excellent niveau de guitare et j'apprends plein de trucs. Donc je pense que je vais bosser tout ça pendant une heure et puis après bon, je vais me remettre aux partitions sûrement. Aujourd'hui j'aurai aussi un petit truc, une signature musicale, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors cet après-midi, je vais consacrer un petit peu de temps pour faire un jingle. On m'a commandé un jingle, il s'agit d'une association par chez moi, de Montlouis-sur-Loire. Je sais plus l'intitulé de l'asso, je le mettrai pendant que je ferai le montage là. C'est une asso caritative qui a pour but de réaliser des rêves de gens. Et donc moi, je me suis proposé pour leur faire un petit habillage sonore, parce qu'ils organisent une duck race, une course de canards. Donc voilà ce que je vais faire cet après-midi. Alors comme c'est une course de canards et que le canard ça fait coin-coin, je me suis dit que j'allais faire un truc à la wah-wah. Pour ceux qui connaissent pas, la wah-wah c'est ça, c'est une pédale de guitariste. Ce truc-là, c'était un peu la pédale préférée de Jimi Hendrix. Ça fait ça la wah-wah. Et ça fait un peu coin-coin quoi. Donc je pense que je vais faire un truc comme ça, je sais pas trop comment. Faut que je trouve un truc, un jingle, hein, donc ça dure vraiment quelques secondes. Bon bref, je cherche. Bon j'ai trouvé, ça va faire un truc comme ça. Ok, j'ai fini. Il est 16h30. Je vais envoyer ça à l'asso pour voir ce qu'ils en pensent. Moi, je suis pas mécontent. Je trouve ça rigolo. C'est un peu funky. Donc, je vous montre. Au départ, j'avais ce truc-là.
Et du coup, ça c'est le jingle, mais j'ai fait évoluer ça après avec des instruments. Et puis après, j'ai mis un petit truc. Ok, mercredi 14h, j'ai rien foutu ce matin. C'est parti, là je vais m'attaquer au mixage de la deuxième chanson de System D. Si t'as pas suivi les épisodes, là je te mets le lien vers l'enregistrement de System D. J'ai trois chansons à mixer, j'en ai fait une, j'ai déjà les retours du premier. Et je vais commencer le mixage du deuxième morceau avec les retours du premier en tenant compte de ça. Allô, allô, test micro, test, test. C'est bon. Ah non, c'est pas le bon. Test, je regarde à travers un portable si ça marche. Mais c'est ce que je dis, mais en plus du quiz, ça fait donc 45 minutes. Oui, mais bon, à 10 minutes près, tu sais bien qu'il vaut mieux pas prévoir quand est-ce que tu mets le quiz et le mettre au bon moment plutôt que de prévoir c'est pas con ce que tu dis. Ah oui, c'est pas con. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Je sais pas si je vais comptabiliser ça dans mes heures de travail. Attention, ça filme. Je me réveille, je suis dans la poussière. Vendredi matin, 8h30, grosse journée, énorme. Là, 8h30, ce matin, je bosse jusqu'à 11h30. Après, à midi, il faut que j'aille dans une école. Donc là, je pourrais pas filmer parce que dans une école, on peut pas filmer. Je fais des interventions musicales avec les enfants entre midi et 2. Et après, à 1h30, on part avec l'affaire Capucine en Bretagne. Et donc, on a 3 heures de route. 3 bonnes heures de route. Et on repart juste après le concert parce qu'il faut que demain matin je sois à 9h chez moi parce que j'enregistre avec un artiste toute la journée. Donc là, ça va être début de marathon. Là, je vais pas dormir beaucoup. Aujourd'hui, c'est la dernière de l'affaire Capucine à 3. Et pour fêter ça, on a eu des cadeaux, figurez-vous. Aurélie, elle nous a offert des cadeaux. Ouais. Là, ça et ça. Et Camille, elle nous a offert des cadeaux. Alors j'ai dans mon truc. Un truc pour les voyages, des jeux apéro. Donc ça, c'est pour éviter de s'ennuyer pendant les voyages. Ça va être très très bien. J'ai
Ça, c'est les cadeaux d'Aurélie. Hein. Une boîte de Ferrero Rocher. Donc ça, ça va être très bien aussi. Ça durera moins longtemps que les jeux apéro, je vous le dis tout de suite. Et surtout, surtout, j'ai de quoi m'acheter une nouvelle guitare. C'est parfait. Voilà. Camille, oui. Petit fou rire peut-être. Oui. Est-ce que vous nous raconteriez votre petit fou rire? Ben, j'ai commencé le concert et puis j'ai fait un gros brin. Un gros brin. Un gros brin. Merci. Et je sais, il n'y a pas de lumière du tout. Mais s'il n'y a pas de lumière, c'est parce qu'il est 23h. On rentre. Donc là, c'est parti pour 3h30 de route. Retour à la maison. Allez hop. Heures du matin, là il faudrait que je monte cette vidéo là, mais là c'est juste pas possible parce que demain à 8h30 il faut que je me lève pour une journée d'enregistrement, donc là dodo, terminé, fini. Samedi matin 8h, et ben comme prévu ça pique un peu, donc aujourd'hui j'ai une journée d'enregistrement avec Pierre qui va pas tarder à arriver. Pierre, c'est quelqu'un qui m'a contacté pour enregistrer ses chansons, éventuellement dans le but d'en faire un album. Bon, il est 17h, fin de journée, fin de semaine, fin de vidéo surtout, qui a duré beaucoup trop longtemps. Désolé, mais en même temps, ceux qui aiment bien les vidéos courtes, je pense que vous n'entendez pas ce message actuellement. Donc voilà, bravo à ceux qui sont arrivés au bout de cette semaine, et puis à la semaine prochaine. Ciao.